Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserer Reihe Lecture in Film. Wie immer zum Kino von Pierpaolo Pasolini. Und es hat tatsächlich zwölf Veranstaltungen gedauert, bis wir uns seinem Debüt widmen werden: äh, Akatone, den wir heute sehen werden. Das auch schon mal vorweg in einer ganz wunderbaren Kopie, wieder von der Cinecittà. Aus Rom, äh, den berühmten Studio aus den Archiven dort. Es ist eine 35 mm Kopie mit englischen Untertiteln. Und ja, die gibt es, glaube ich, sehr selten außerhalb Italiens zu sehen. Und da freuen wir uns wirklich drauf. Ähm, ja, heute ist sowieso ein besonderer Abend. Äh, einer der wichtigsten Referenten. Einer der größten Kenner von Pasolini. Ich habe heute erfahren, er ist befreundet mit Nenetto Davoli. Das sagt, glaube ich, alles fast schon. Und Vincent Hediger wird ihn gleich noch weiter vorstellen. Ist heute hier und ähm, wird dann in Französisch sprechen. Und das Ganze wird wie in der Oper, passt ja zu Pasolini, mit Übertiteln auf Deutsch hier äh, projiziert werden. Und dank Vincent Hediger, der das übersetzt hat und der das gleich bedienen wird, werden wir in das volle Vergnügen inhaltlich kommen. Ich möchte auch gerne noch darauf eingehen, dass wir wie immer ein spannendes Begleitprogramm zu unseren lecture haben. Und gerade zu Pasolini jetzt in diesem Monat ähm, gibt es einige sehr spannende Sachen. Und der, die erste ist eigentlich so eine Cross-Section-Veranstaltung, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen will. Denn ähm, wir machen gerade eine Retrospektive von Miklos Jancsó, dem berühmten ungarischen Regisseur. Und das ist in Kooperation mit dem Filmkollektiv Frankfurt. Und da. Gibt es eine Parallele zu Pasolini? Denn ähm, es gibt eine Verfilmung einer, eines Theaterstücks und den Proben dazu. Und äh, das hat Michel Ciancio damals gefilmt. Und das zeigen wir am Samstag um 18 Uhr in einer Deutschlandpremiere tatsächlich. Der Film ist vorher in Deutschland noch nie gezeigt worden. Ähm, heißt Laboratorio Teatrale di Luca Ronconi von 1977. Und ich möchte Ihnen das sehr, sehr ans Herz legen, weil das noch mal eine ganz andere Perspektive auch eröffnet. Denn äh, Pasolini hat auch Theater gemacht, wie Sie natürlich wissen, wenn Sie schon mehrere Veranstaltungen hier in dieser Reihe besucht haben. Darüber hinaus haben wir in diesem Monat einige Gelegenheiten, seltene Filme über Pasolini zu erleben. Wir haben jetzt so viel wissenschaftlich schon erfahren. Jetzt wollen wir mit Dokumentarfilmen noch so ein bisschen das Leben von Pasolini beleuchten. Und da zeigen wir jetzt nochmal drei in diesem Monat, die wirklich sehenswert sind. Das eine ist tatsächlich ein Film von 1966, in dem er noch lebte: Pasolini l'enragé von Jean-André Fieschi. Und das ist ein wirklich sehr, sehr persönliches und außergewöhnliches Porträt. Aus einer Fernsehreihe fürs französische Fernsehen Cineaste de Notre temps. Und dieser Beitrag gilt als der beste der gesamten Reihe damals. Ähm, den will ich Ihnen sehr ans Herz legen, 13. und 24. Juni. Und dann noch so ein, ein kleines Double-Feature-Special, wo es um Dokumentarfilme zur Deutung seines Todes geht. Ähm, der eine ist aus äh, den Niederlanden von 1981, Wie der Wahrheit sagt, sagt Mode Dood. Und das kombinieren wir mit Die Akte Pasolini, ein deutscher Fernsehfilm vor zwei Jahren, der ähm, das quasi noch erweitert, äh, denn der Prozess wurde ja wieder aufgenommen gegen den Mörder oder Nichtmörder von Pasolini das nur so als kleiner werbeblock <laughs> im vorfeld. ich wünsche ihnen ganz viel spaß mit akatone und zunächst vincent hediger, der unseren gast vorstellt. viel spaß. ja, äh, guten abend. ich bin beeindruckt, wie viele von ihnen dem schönen wetter äh, widerstanden haben und äh, dieses programm hier vorgezogen haben. glauben sie mir, sie werden es nicht bereuen. Ähm, der Grundgedanke dieser Reihe ist ja nun, äh, nicht nur die wichtigsten Werke bedeutender Filmemacher und Filmemacherinnen im Kino zur Vorführung zu bringen, sondern sie eben auch von Spezialisten erläutern zu lassen, kontextualisieren und deuten zu lassen. Pasolini ist aufgrund der, der, des großen Umfangs und der Vielgestaltigkeit äh, seines Werks ein äh, Künstler, der die Referenten vor besonders große Herausforderungen stellt, eben deswegen, weil das werk literatur, film, essayistik umfasst, auch das theater, im grunde sogar die malerei. <laughs> nun gibt es kaum jemanden, in, kaum jemanden im internationalen feld der filmwissenschaft, der sich über so lange zeit so intensiv und so umfassend mit dem werk pasolini's auseinandergesetzt hat, wie unser heutiger gast, hervé joubert-laurentin, der als professor für filmwissenschaft an der universität paris 10, äh, forscht und lehrt. Uh, Joubert Laurencin befasst sich seit uh, mehr als drei Jahrzehnten mit Pasolini, hat vier Monographien veröffentlicht und zahlreiche Herausgaben zu Pasolini. Darunter unter anderem die erste vollständige Edition der Filmkritiken von Pasolini, die auf Französisch in einer kritischen Edition durch Hervé Joubert-Lancin herausgegeben erschienen sind, bevor sie auf Italienisch rauskamen und noch bevor sie dann in der, im Gesamtwerk Aufnahme fanden. Er hat ähm, das Theaterwerk, vor allem die, die frühen Theaterarbeiten von Pasolini, äh, übersetzt ins Französische und ähm, äh, herausgegeben und eben. Ähm, eine äh, Menge äh, weiterer Publikationen zu Pasolini ähm, vorgelegt. Pasolini ist aber keineswegs das einzige Feld der Spezialisierung von Hervé joubert -Lonsen. Er zählt auch zu den international führenden Forschern äh, im Gebiet des Animationsfilms. Ähm, da hat er sich äh, unter anderem mit dem französischen Theoretiker und äh, Produzenten André Martin sehr intensiv auseinandergesetzt und äh, zur Theorie des Animationsfilms wichtige Beiträge geleistet. Und er gilt überdies zusammen mit äh, Dudley Andrew von der Yale University als äh, die größte Autorität äh, in Sachen des Werks des Kritikers und Theoretikers André Bazin. Ähm, Joubert Norancin gemeinsam mit Dudley Andrew. Alle verfügbaren und alle publizierten Texte von ähm, Bazin zusammengestellt, äh, eigentlich mit dem Ziel, äh, eine kritische Edition herauszugeben, aber das Verlagswesen und die rechte Situation in Frankreich mit den ganzen Erben, die da Anspruch erheben und Söhnen und Töchtern, die dann auch noch Wünsche haben, hat das bislang verhindert. Ähm, aber diese, äh, dieses Korpus von Schriften ist immerhin zugänglich in, in, äh, an der Yale University und im Institut National de l'Histoire de l'Art in Paris, wo man als Forscher hingehen kann und einen Schlüssel kriegt von Hervé und dann äh, kann man sich mit Bazin wirklich seriös auseinandersetzen. Und Hervé äh, äh, macht immer wieder neue Entdeckungen und Trouvaillen zu seinen Gegenständen. Bei Bazin ist es zum Beispiel die Entdeckung einer dritten Fassung des berühmten Textes äh, über die Ontologie des fotografischen Bildes, die er demnächst in Paris äh, vorstellen wird. Und äh, da, das ist das, was er gerade die letzten zehn Tage gemacht hat. Bazin war im Moment seines Todes, 1958, gerade damit befasst, seinen ersten Film zu drehen, also die gängige äh, Version der Geschichte, die wir immer allen unseren Studenten erzählen, dass äh, Bazin Godard und Truffaut und Chabrol auf die Bahn zur Filmregie geschickt hat, aber selbst nie Filme machen wollte oder Filme gemacht hat. Äh, die stimmt gar nicht, denn äh, Bazin war gerade dabei, einen Dokumentarfilm über romanische Kirchen vorzubereiten, als er starb. Und das jüngste Projekt von Hervé Joubert-Lancin, Sachen Bazin, besteht darin, diesen Film nun zu drehen. Ähm, und genau das hat er... Äh, also, er kommt gerade zurück von den Dreharbeiten an diesem, an diesem Projekt. Und wir hoffen, dass daraus dann sehr bald etwas wird, was wir möglicherweise auch hier zeigen können. Heute befasst sich Schub RW mit dem Anfang, dem Auftakt von Pasolinis filmischem Werk, eben mit Agatone von 1961. Ein Film, zu dem er vor 20 Jahren schon eine ausführliche Exegese vorgelegt hat auf die er heute Abend in diesem Vortrag zurückkommen wird und, das kann ich Ihnen schon versprechen, ihr eine neue Wendung geben wird. Und äh, es wird auch in diesem Vortrag Trouvaillen geben, Dinge, die Sie außerhalb des Archivs noch nie gesehen haben. Äh, ja, mit dieser Ansage lasse ich es bewenden und wünsche Ihnen viel Spaß. Au revoir. Merci. Merci, Vincent. Merci beaucoup. <coughs> <coughs> merci beaucoup. Je remercie beaucoup Vincent Heidegger de cette invitation et de tout ce qu'il a dit que je n'ai pas compris, mais qui a l'air formidable. <laughs> suis, voilà. Alors, j'ai appelé cette euh, conférence euh, à mendiant de la vie, mendiant de la vie. Et comme vous commencez à le voir, euh, euh, ce titre, euh, je l'ai inventé quand Vincent m'a demandé de faire une conférence. J'ai pensé d'abord à Akaton parce que je travaillais sur, un, sur la publication du livre d'Akaton et je me trouvais à Bologne pour le festival euh, formidable qui s'appelle Cinema Ritrovato. Et alors j'ai vu le plus possible de films de William Wellman. Et ce titre, Mendiant de la vie, et je l'ai donné en souvenir des premières scènes stupéfiantes du premier film parlant de William Wellman et aussi le premier film parlant de Louis Brooks, dans lequel joue Louis Brooks. Et je l'ai vu au Festival du Cinéma Ritrovato de Bologne il y a un an. C'est Beggars of Life, Mendiants au pluriel de la vie. Et Hackathon sera un mendiant au singulier. Peu avant la première présentation publique du film Hackathon à la Mostra de Venise, le 31 août 1961, Pasolini fait sortir un livre né de la volonté du producteur, mais qu'il a vraisemblablement conçu par lui-même en grande partie. Le livre est fait sur le modèle de la remarquable collection d'Al Soggetto al Film, qui est née à Bologne quelques années auparavant, et euh, ne se limite donc pas à la seule publication du scénario. <coughs> Après une préface très sensible de Carlo Levi, l'auteur du « Christ s'est arrêté à Eboli, Il Cristo si fermato a Eboli. le livre contient quatre textes de Pasolini d'inégale longueur, inédits ou déjà publiés dans des journaux, tous racontant à Catone. C'est là son originalité, puisque ce livre, sur le premier film d'un écrivain cinéaste, un livre qu'on pourrait croire publicitaire ou un album d'images de promotion ou encore un recueil de témoignages divers ou de points de vue critiques, un découpage a posteriori ou une novélisation, se retrouve ainsi, au contraire, presque entièrement écrit par l'auteur du film. En somme, c'est un livre méconnu de la bibliographie pasolinienne, dont je vais éditer prochainement la traduction française en septembre prochain aux éditions Macula à Paris, accompagnée d'un second volume de documents et de commentaires. Je pourrais donc, dans une petite mesure, vous faire profiter des recherches iconographiques que nous avons menées les éditeurs et moi. L'ouvrage de 1961 est déjà riche de nombreuses photographies. Avant de trouver d'autres photographies, il y a déjà beaucoup de photographies qui se trouvent à l'intérieur du livre fait par Pasolini présentées sur plusieurs pages, sur lesquelles elles se trouvent agencées les unes avec les autres. Sur celle-ci, on reconnaît la première rencontre, en bas, on reconnaît la première rencontre entre « Acatone » et « Stella euh, ».« Stella » était le premier titre du film, le titre de travail. Euh, sur tous les claps, on peut lire « Stella euh, ».« Stella » étant la, la, la femme que rencontre « Acatone ». Donc c'est la première rencontre entre Akaton et Stella dans un dépôt de bouteilles vides qui évoque celle, c'est-à-dire qui évoque les bouteilles que l'on voit sur les tableaux de Giorgio Morandi, un autre bolognais. L'image rappelle au spectateur la sensation de quiétude de ce face à face sous le soleil de midi dans cette séquence dans ce film. Mais la fumée qui monte d'un tonneau d'eau bouillante dans lequel on lave les bouteilles, c'est le travail de cette femme, guide l'œil Verticalement vers la photographie du haut. Et celle-ci montre la procession horizontale de la première séquence de l'enterrement qui passe. Il y a deux enterrements dans Akaton, l'une dans la réalité, l'autre dans un rêve. C'est la première. Ce montage rappelle que Stella, quand on y réfléchit, est la femme qui mènera Akaton à une mort violente. L'actrice, comme vous le verrez ce soir en regardant le film, L'actrice non professionnelle est, comme toujours avec Pasolini, le contraire exact du poncif attendu, en l'occurrence celui de la femme fatale. Un autre exemple de ce type de renversement dans le cinéma de Pasolini est la chorégraphie malhabile de la chaste et pure petite fille, tout à fait inattendue, qui exécute la danse de Salomé, une séquence qui mène pourtant habituellement au cinéma à des sommets d'érotisme, dans l'Évangile selon Saint Matthieu. De la même façon, cette scène d'Akaton rencontrant Stella, typique du Love at First Sight, est totalement anti-romantique et c'est par sa trivialité même qu'elle est émouvante et mystérieuse. Plus généralement, la mort qui passe et semble planer au-dessus des personnages, comme finalement ce montage photographique le dit, est une constante du film, dont le réalisme du quotidien est miraculeusement empreint d'une gravité funèbre presque permanente. En ce sens, ce simple montage photographique est déjà une analyse du film. Voici une autre photographie du volume de 1961. Volume donc que nous reproduirons à l'identique dans sa version française de 2015, image comprise, qui fabrique avec trois photographies un mouvement oblique d'avancée du personnage principal et c'est aussi le récit temporel d'une séquence par des ellipses. Le quatrième et dernier texte de ce volume, avant les pages du scénario, puisque le principal du livre, c'est tout de même le scénario, s'intitule "Sens d'un personnage, le paradis d'acatone "Sens d'un personnage, il paradis di Il avait été publié le 1er juillet 1961 dans la revue de jeunes communistes "Vie et c'est-à-dire vraiment très peu de temps avant la sortie du livre, le livre d'acatone 15 jours. Avant la fin du tournage, du tournage du film, puisque le livre est sorti quand le film sortait, et un mois et demi seulement avant sa première projection publique au Festival de Venise. Le, le texte a été écrit en réponse à la lettre d'un lecteur qui questionne très précisément Pasolini sur son nouveau personnage, Acatone, alors que le film est encore en plein tournage. Ce jeune correspondant tire ses informations. D'un entretien que Pasolini a donné à Cinema une revue de cinéma, avant le début du tournage. La précocité de cet échange sur le sens esthétique et politique d'un film avant même la fin de son tournage entre un nouveau cinéaste, puisque c'est le premier film réalisé par Pasolini, et l'un de ses spectateurs potentiels, puisqu'il n'a pas pu encore voir le film. Et la rapidité avec laquelle il est intégré dans un livre et rendu public deux fois en l'espace d'un mois, une fois dans un journal pour la première publication, et une fois dans un livre, montre les capacités, euh, entre guillemets, médiatiques de Pasolini, si on veut être anachronique, et son inscription dans le présent de l'été 1961, à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui, en 2015, les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est comme si Pasolini... Euh, discutait de son prochain film avec ses futurs spectateurs euh, par facebook en 1961. mais l'inscription de son film dans le présent est aussi née un an avant, un an avant 1961, au moment où pasolini écrivait son scénario. dans le texte le paradis d'acatone, entre autres choses, pasolini associe en effet l'écriture du scénario de son premier film à un moment de sa vie, qui est aussi un moment de la société italienne et qu'il appelle l'été Tambroni, l'estate Tambroni. C'est plus qu'une simple coïncidence. L'estate Tambroni signifie que c'est le moment du gouvernement Tambroni, du nom, de, du nom du chef du gouvernement en été 1960 en Italie. Le gouvernement Tambroni... Un gouvernement démocrate chrétien, mais particulièrement réactionnaire, au point de faire alliance avec un parti néo-fasciste, fut un moment de vérité pour la République italienne. Il y eut de, nouveau, de, de nombreux mouvements populaires dans plusieurs villes, des morts et des blessés à Gênes, Reggio Emilia, Rome, tout comme dans le reste de l'Italie. La police, la police a été envoyée contre les manifestants les manifestants euh, manifestaient contre le, le, les, les, les mesures. Euh, véritablement néofasciste de ce gouvernement. Le gouvernement est resté très peu de temps mais ça a été un traumatisme. Le moment que nous vivons politiquement en Europe en ce printemps 2015 me paraît assez propre à nous faire comprendre le sentiment le sentiment de Pasolini, le sentiment de révolte et de déchéance démoralisante, la perte de foi en son pays que pouvait ressentir Pasolini pendant l'été 1960. Non pas que nous soyons gouvernés ni en France ni en Allemagne par les, des néofascistes, du moins pas encore, mais sur ce point, on peut rappeler que Pasolini avait repéré aussi bien, si on veut parler de Pasolini politique, avait repéré aussi bien ce qu'il appelait les révolutions de droite que ce qu'il appelait les fascismes de gauche. Et son apport politique, s'il en est un, eh bien, de nous avoir appris à dégager des forces, à comprendre des forces réactionnaires plus anthropologiques que politiciennes, des forces de mort qui transcendent tous les partis politiques. Ainsi, je pense en ce printemps 2015 à la logique criminelle, supra-étatique, qui se déroule sous nos yeux et avec notre accord tacite en mer Méditerranée depuis des années et qui vient d'atteindre ces derniers mois des sommets dans le crime. Je le rappelle en deux mots, car je ne suis peut-être pas encore assez clair, des migrants par centaines, désirant rejoindre les rives d'une Europe qui a fermé ses frontières, puis par milliers ces derniers mois, meurent en mer avant d'approcher les côtes de la Grèce ou de l'Italie, en raison des systèmes d'interdiction physique de passage, comme dans tous les lieux du monde où ont été construits des murs, ce qu'on appelle aujourd'hui ces nouvelles frontières, très ironiquement. La seule réponse, toujours justifiée par une lutte prétendue humaniste ou une lutte contre les passeurs, a été la police, plus ou moins violente, les camps de rétention et d'internement, légaux mais plus ou moins illégitimes, puis une police spéciale appelée Frontex, au fonctionnement non démocratique, que nul État ne gouverne, car n'appartenant à aucun en vertu de la construction européenne. Enfin, c'est le comble où je voulais en venir. Il est actuellement en discussion, sérieusement, entre des États dits démocratiques, dont la France et l'Allemagne au premier rang, de faire usage des armées et d'armes de guerre contre les bateaux des gueux des pauvres de notre temps. Nous vivons donc un très long été tambroni en ce moment. Je veux dire que j'ai ressenti cela au moment où j'écrivais ce texte, et je le ressens encore plus aujourd'hui. De ce, sentiment, de ce sentiment que nous pouvons ressentir, comme Pasolini l'a ressenti en été 1960, de ce sentiment est né à Catone. Il est bon de le savoir afin de ressentir la force de mort et le sens du tragique qui gouverne, peut-être souterrainement, peut-être invisiblement, peut-être manifestement, ce film. Ainsi, si l'on considère le récit, le récit dans son ensemble, on constate que trois épisodes morbides charpentent le récit. Le début, sur un plongeon suicidaire d'Akaton, revivant l'expérience d'un homme noyé récemment, dont il renaît, il ne meurt pas. Deuxièmement, le rêve central, où il suit son propre enterrement, duquel il se réveille. Donc il ne meurt pas non plus, c'est un rêve. L'accident mortel qui clôt le film, cette fois il meurt, dont la victime a juste le temps de se réjouir avec des mots énigmatiques en dialecte romain « mosto bene mosto »,« bene". adesso mi sento bene » en italien, c'est-à-dire « maintenant, je me sens bien ». Mais c'est aussi à chaque instant, donc c'est un moment très mystérieux sur lequel je reviendrai, c'est la toute fin du film où le personnage, en train de mourir, dit « mosto bene », c'est « maintenant que je me sens bien »,« maintenant que je meurs » ou « maintenant que je suis mort », peut-être. Peut-être est-il mort et parle-t-il après sa mort on peut imaginer ça. Ainsi, c'est aussi à chaque instant de sa vie que le personnage semble accablé par le poids même de vivre. Toute la dernière séquence d'errance avec la charrette de marchand de légumes chargée de fleurs mortes qui ressemble à celles trans qui transportent les morts dans les sociétés anciennes et même qui cite celles des contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, Menant à la course-poursuite et à l'accident, est lente et ressemble à un calvaire. Comparons une photo de plateau à l'un des plus beaux clichés du célèbre photographe et paparazzo Tazio Secchiaroli, réalisé pour Pasolini en 1960 lors d'un repérage pour Hackathon. Alors là, nous avons la, la première et la photographie de plateau. Ce n'est pas une séquence du film, enfin, ce n'est pas un photogramme du film, mais c'est un moment de tournage. Et celle-ci, c'est un vrai porteur de fleurs. C'est une photographie documentaire réalisée par Tadzio Secchiaroli au moment de, des repérages, des fameux repérages. Je ne vais pas faire l'histoire de ces repérages. Ils ont été faits pour Fellini, qui devait être le producteur de Pasolini. Et finalement, après les repérages, Fellini a décidé de ne pas produire le film à Catone. Donc Pasolini aurait pu ne jamais devenir cinéaste, mais un autre producteur a repris le, le projet. Les très belles photos de y réalisées durant ces repérages de 1960 montrent des lieux vides ou presque vides, comme les rues de Paris photographiées par Eugène Hadjet, comme, comme ces, ces photos montraient, selon Walter Benjamin, le, je cite, le théâtre du crime. En voici quelques exemples. On va en regarder quelques-unes qui sont toutes... Alors, ça, c'est le Ponte Testaccio. Ce sont voilà, Ponte Testaccio, où meurt à Catone, à la fin du film. Via Fanfula Bon, Je les ai toutes repérées <laughs> récemment, mais j'ai renoncé à, à, à écrire exactement l'identification. Ce sont toutes des, des lieux que vous allez retrouver dans le film. Le quartier du Pigneto. Ça, je ne sais plus. Bon. Ça, c'est le lieu où Akaton va se battre dans la poussière avec son beau-frère. Ça, c'est vraiment la rue euh, du bar. C'est la rue du bar où se retrouvent les, les, les macros, les mauvais garçons. Ça, c'est <coughs> un arrêt de tram où Akaton, avec son petit frère, va partir travailler. Alors, voilà, ce sont des très belles photos euh, qui sont vraiment des photos d'un grand photographe qui est devenu très célèbre euh, après cette époque, Tazio Secchiaroli, mais qui, qui, qui était tout à fait inconnu quand il a fait ses photos pour Pasolini et qui, était, qui avait l'avantage pour Pasolini d'être euh, un enfant des Borgate, euh, quelqu'un qui venait des, des, des pas des bidonvilles, mais des, des quartiers très pauvres. Dans le film. <coughs> Toujours pour cette idée de mort, dans le film, le chœur numéro 78 de la Passion selon saint Matthieu de Bar, que Pasolini associe au personnage d'acatone est qualifié par lui de motif de la mort et aussi de motif dominant. Il accompagne le générique de début pendant près de deux minutes. Donc, si vous voulez vous souvenir, vous, vous écoutez le, le, le générique et vous allez retrouver. Très régulièrement, ce lettre-motif dans tout le film. Enfin, à, à, à beaucoup de moments du film. Il accompagne le générique de début pendant près de deux minutes, recouvrant le film qui débute d'un sentiment tragique et funèbre, comme celui d'une mort déjà advenue. En larmes, nous nous asseyons, dans la tombe, repose en paix. Voilà ce qu'on entend dans le cœur de Jean-Sébastien Bach. Même si la version du film reste instrumentale, on, nous n'entendons pas les voix. Le sentiment de ce cœur final est un sentiment d'apaisement, d'apaisement après une mort, pour un enterrement. Puis, on entend ce, cette musique six fois, toujours dans les moments de violence, dont, la, dont, par exemple, le plus célèbre est la lutte dans la poussière avec son beau-frère, où le haut et le bas, le sacral et le trivial, le sacral de la musique est le trivial de la musique sacrée et le trivial de la, de la bataille, euh, euh, de la lutte presque gréco-romaine des, des deux hommes euh, sur le sol, subissent une contamination. Pasolini explique lui-même l'amalgame, le magma du sublime et du comique dont parle Eric Auerbach. Jusqu'à, enfin, on retrouve... Jusqu'à la, jusqu la mort tragique à la fin du film, quand la musique du cœur, toujours privée de la voix humaine, vient sonner une dernière fois, puis disparaître avec le fading sur le mot fin, et boucler ainsi un scénario véritablement sonore. Mais c'est aussi dans l'image même que s'inscrit le motif mortuaire. Tony nodelli le directeur de la photographie, a expliqué qu'il avait fait subir à la pellicule un traitement particulier pour répondre au désir de Pasolini d'une image contrastée et granuleuse comme celle des actualités journalistiques, et même plus exactement comme celle des photographies de journaux, qui, ont, qui sont elles-mêmes piquées, et piquetées. Le noir très noir et le blanc très blanc d'acaton sont à égalité les couleurs du deuil. Revenons maintenant à l'été. Tambroni. Par réaction à, cette, à cet événement politique, l'intervalle politique régressif de Sinistre Mémoire et ses répressions marquèrent un réveil antifasciste qui, indirectement, offrit au cinéma italien deux renaissances possibles, inégalement connues, l'une dans le documentaire, l'autre dans la fiction, l'une par Franco Fortini, l'autre par Pasolini. Fascisti. Aux l'arme, nous sommes fascistes, dont le titre ironique au moins à triple entente, je ne sais pas si tu as traduit la note, de... <laughs> au moins à triple entente, me paraît donc toujours d'actualité, Et le premier documentaire italien sérieux sur le passé totalitaire de la nation italienne reconstruite dans l'après-guerre. Si on veut commenter le, le, le titre « Allarmisiam fascisti », c'est d'abord une chanson fasciste, euh, à l'origine, ce qui, qui veut dire aux armes, aux armes partons en guerre, aux armes les fascistes, les fascistes avec moi. Puis on entend dans le titre du film de 1960, au secours, nous sommes toujours fascistes, à l'arme, euh, aux armes, nous sommes encore fascistes en 1960. Enfin, on entend aussi une injonction à combattre cette régression, aux armes contre le fascisme. Donc à fasciste et à au fasciste, on entend au moins trois, trois sens. Ce film. Qui est donc contemporain d'Acatone, mais qui est un film documentaire, fut réalisé en 1961 par Lino Delfra, sa compagne Cecilia Mangini, qui est une vieille dame totalement extraordinaire, qui vit toujours et qui a fait des documentaires magnifiques, Cecilia Mangini, et Lino Michiche. Et le long et documenté commentaire en voix off historique et politique fut écrit, lui aussi. À la suite, en réaction à la suite de l'été Tambroni, comme il l'a dit lui-même, par le poète Franco Fortini, ami, compagnon de route et aussi contradicteur de Pasolini. Sans qu'on puisse décréter l'un meilleur que l'autre, hein, à Catone ou à Fascisti, le film de fiction ou le film documentaire, et en se rappelant que les deux hommes, Fortini et Pasolini, visaient le même but, la différence de style et de méthode est patente entre l'écriture historienne, didactique, de Fortini pour le cinéma, très informé idéologiquement, et le cinéma de Pasolini, dont la démarche consiste, comme dans sa poésie, au contraire, à opposer tragiquement la posture du poète à la rationalité poétique, à les opposer. Avec La Rabbia, un film réalisé deux ans après à Catone, qui est son documentaire de gauche sur la guerre froide pasolini réalise en 1963 une sorte de contre champ historique foncièrement différent de all'armi mais acatone né de la rage de la même rage démocrate contre l'été tambroni en différait déjà singulièrement donc je veux dire que euh, l'arabe si vous connaissez ce film documentaire de pasolini est aussi un film qu'on peut comparer à all'armi si même fasciste ils sont de la même époque ce sont deux documentaires au fond, sur le même sujet. Mais on peut aussi comparer, de façon plus inattendue, peut-être, à Caton et à fasciste, qui sont de la même époque. Donc, en quoi Caton est-il antifasciste <coughs> Antifasciste, il l'est par d'autres moyens que l'argumentation et la leçon d'histoire. Par la seule présence filmée d'une population et de lieux de Rome inconnus au plus grand nombre et absent de ses représentations du monde ou de la nation, il heurte le conformisme chrétien et bourgeois de l'Italie de 1961, ce qui eut pour effet immédiat de produire une censure. Par la sophistication de ses formes narratives et figuratives, il échappe par ailleurs à toute récupération culturelle ou politique de gauche ou de droite. Ce sont là les deux points que je vais maintenant aborder. Donc, premier point, la censure. Le film fut présenté à la Mostra de Venise hors compétition le 31 août 1961. Quelques jours plus tôt, le 26 août, le film avait été présenté à la commission de censure et n'avait pas obtenu le visa d'exploitation. Le producteur Alfredo Bini fut contraint de reporter la sortie romaine prévue début octobre. Le 17 octobre, le sous-secrétaire au ministère du Tourisme et du Spectacle, Renzo Elfer, rendit public une déclaration dans laquelle il faisait part de ses craintes quant aux, je cite, conséquences du choc que la vision du film pourrait avoir sur des jeunes gens pas encore tout à fait matures et suggérait d'attendre l'approbation d'un décret-loi alors en discussion au Sénat qui risquait de faire passer de 16 à 18 ans l'âge de l'interdiction aux mineurs. Un groupe d'écrivains, d'intellectuels et de politiques de tous bords se réunit pour soutenir le film. Elfer s'en offusqua et Pasolini lui répondit par un article dans le quotidien socialiste Avanti le 20 octobre 1961. Le début de sa réponse vaut d'être reproduite. Donc, je l'ai traduite et Vincenz l'a traduit pour vous. Alors, c'est une traduction de traduction, mais je pense que ce n'est pas, pas très compliqué tout de même. La lutte, j'entends la lutte, ça c'est Pasolini qui parle et qui répond dans un journal, donc à un homme politique. Qui est responsable de la censure de son film. La lutte, j'entends la lutte par argument direct et par allusion, qui s'est ouverte à distance entre moi et elle-faire, est absolument inégale. Moi, je crois de toute mon âme à ce que je fais et à ce que je dis, car je fais et je dis exactement dans l'acte du faire et du dire. Et je suis pour cette raison vulnérable, à découvert, exaspéré faire ne croit pas à ce qu'il fait ni à ce qu'il dit, car ce qu'il fait et ce qu'il dit ne consiste pas réellement à accomplir l'acte concret et immédiat du faire et du dire. Pour cette raison, il est invulnérable, abrité, froid. Moi, je suis un écrivain et lui est un homme de pouvoir. Moi, je ne suis pas intéressé par l'idée de gagner ou de perdre quoi que ce soit, parce que mon intérêt est celui de la poésie, c'est-à-dire qu'il n'est pas un intérêt pratique. Lui, au contraire, est intéressé au plus haut point par perdre ou gagner, parce que son intérêt est totalement pratique. C'est un acte de pouvoir politique. Moi, si j'étais insincère, je ne serais pas écrivain. Elfer, s'il était sincère, ne serait pas un censeur dans l'état actuel de l'organisation de la censure. Nos arguments sont de nature totalement différente, nous ne pourrons jamais trouver un terrain neutre pour réellement s'affronter. Acatone est l'objet en commun, c'est vrai, mais seulement en parole. Parce que moi, quand je cherche à clarifier l'aspect politique de mon œuvre poétique, je le fais ingénument, en abattant toutes mes cartes, du fait, je le répète, que je ne pourrai jamais être insincère. L'insincérité serait pour moi une intime condamnation, pour le coup réellement sans appel. Elfer cherche à clarifier l'aspect esthétique de mes engagements politiques et il le fait a priori, en gardant ses cartes bien cachées. La sincérité est incompatible avec sa position politique. Une discussion est-elle donc possible Non, certes, parce que moi je pars perdant. Celui qui risque le tout pour le tout, avec passion, avec douleur, sans se soucier de sa propre sécurité, est destiné à perdre. Même si sa défaite est intimement une victoire. Voilà, je pense que ce texte est assez représentatif de, de, la, de la veine euh, politique de Pasolini, de ses essais euh, sur la société et sur la politique. Le 28 octobre, Acatone obtint un visa d'exploitation à la suite de l'intervention directe du ministre du Tourisme et du Spectacle, Alberto Folchi, mais obligation fut faite d'imprimer sur toutes les affiches. En dépit du fait que le décret-loi n'avait pas encore été approuvé, exceptionnellement interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Pourtant, le visa officiel porte bien, selon la loi alors en vigueur, l'interdiction aux moins de 16 ans. Le film sortit à Rome le 22 novembre, dans les cinémas Barberini et Quattro Fontane. Un groupe de jeunes néofascistes perturba la, la séance de l'après-midi, à laquelle Pasolini n'était pas présent une soirée de première eut lieu le soir dans le même cinéma en présence de pasolini et sans violence je le précise car l'épisode a souvent été confondu avec les événements qui eurent lieu l'année suivante à la sortie de mama roma elle-même souvent racontée faussement et pendant laquelle pasolini gifla un jeune néofasciste pasolini explique dans un passage de son livre empirismo eretico comment c'est bien lui qui donna la gifle et non l'inverse dans la version accréditée par les journaux, cette version faisant de lui une victime ayant été inventée en toute bonne foi et j'ajouterai en toute hystérie par son amie Laura Betti. <laughs> J'ai connu Laura. On peut comprendre <laughs> simplement la subtilité du discours de ce film en remarquant qu'Acaton, joué par Franco Chiti est un proxénète, pas un mendiant. Ce qui rend énigmatique le surnom qu'on lui donne. Il dit, lors de sa rencontre avec Stella, s'appeler Vittorio. Le scénario et une réplique du film lui donnent le nom de famille Cataldi. Donc le personnage s'appelle Vittorio Cataldi, detto a Catone. dit Accatone. Tandis que Accatone, qui est un nom commun, signifie mendiant en italien. Un journaliste français qui lui demandait la signification du titre de son film, Pasolini répondait du reste, Acaton est intraduisible en français. <laughs> c'est un sous-prolétaire, un être qui, pour échapper à sa misère, exploite la misère des autres. Bon, c'est une façon de parler parce que Acaton est parfaitement traduisible en français et en allemand, je suppose, ça veut dire euh, mendiant. Ac et c'est le mot le plus répandu. Acatonaggio signifie la mendicité. Sa caractérisation en macro... Étant elle-même marquée du saut de l'amateurisme, de la dissimulation et du mensonge, enfin de l'échec même, c'est toute l'identité du personnage qui glisse en permanence et avec elle, imperceptiblement, les relations qui lient entre les multiples personnages, puis les actions elles-mêmes, qui tantôt s'étirent au moment du rêve, des promenades ou des rencontres, et tantôt se rétractent brutalement à l'occasion d'un saut dans le fleuve, d'un pari. D'une bagarre dans la poussière, d'un passage à tabac ou d'un accident de moto. La pseudo-conversion finale reste suspendue par une énigme. Mosto bene, dit le personnage agonisant. Maintenant je me sens bien. Mais de la même manière, toute la beauté du film repose sur un étrange mystère dont la première et la dernière pierre est à la fois son titre et le nom de son héros. Tout d'abord, même s'il ne demande pas la charité en faisant l'aumône, Vittorio est un mendiant au même titre que Stracci dans la ricotta. Comment tu traduis Stracci Lumpen oui. Bon, très bien. Stracci dans la ricotta, se figurant sous-prolétaire, amené à, à tenir la place du bon larron dans une adaptation en couleur de la vie du Christ, qui crève littéralement de faim et finit, quant à lui, par mourir d'indigestion après avoir eu l'occasion de s'emprifrer. De ricotta, le ricotta étant un fromage blanc, le nom d'un fromage blanc. Mais vous savez que peut-être que ricotta signifie aussi recuite. Il est comme lui condamné à souffrir physiquement de la faim, à l'égal des clochards, et à mourir brutalement durant l'épilogue de sa tragédie. C'est leur, leur allure de Trincavatte débraillé qui fait de Stracci, dont le nom signifie haillon, chiffon, et de Vittorio des accatoni métaphoriques. Pourtant. Le personnage incarné par Franco Citti est beaucoup moins typé comme un mendiant que Stracci, joué par Mario Cipriani, acteur déjà amené dans catone a constaté la mort du héros en même temps que sa différence héroïque substantielle en se signant à l'envers et menotte au poignet dans le dernier plan du film. Vous le verrez, menotte au poignet, faisant un signe de croix, mais à l'envers. Enfin, C'est Pasolini qui l'a dit, sinon c'était difficile de l'apercevoir. « Akaton n'est pas un mendiant physique. Le film ne saurait se résumer à un fait de société. Il ne rend pas compte de la vie des sans-abri. Plus globalement, il ne traite pas un sujet de société, ne délivre pas de message. » Sinon, le film « Akaton » montrerait un a un mendiant montrerait montrer un mendiant. « Que la fin d'Acatone est soit christique ne pouvait pas faire de doute pour les critiques de cinéma italiens de 1961. » Ils cherchèrent en vain, à la fin du film, sur le visage mourant du héros, la petite larme de repentance, ce lieu commun du catholicisme romain, apparemment promise par la citation de Dante qui ouvre le film. Pour une petite larme, tu me l'enlèves. Per una lacrimetta quel mitoli. Ce Sont les premiers mots du film, non encore prévus au stade du scénario. Dans le purgatoire de Dante, c'est un ange d'enfer qui les lance, dépité, à un ange du paradis, au-dessus de la dépouille d'un grand pêcheur à l'instant de sa mort violente. Or, on a beau écarquiller les yeux et aujourd'hui faire des arrêts sur image aucune larme ne coule des yeux d'Acatone mourant, à la fin du film. Les critiques durent inventer sans preuve un conforme repentir d'après les derniers mots, pourtant mystérieux, comme je l'ai déjà dit deux fois, prononcés par l'agonisant, je les répète. Mosto bene. Maintenant, je me sens bien. Subtilement, la larme ne roule un bref instant sur la joue d'Acatone que bien plus tôt dans le film, à l'intérieur de son rêve. La petite larme, ainsi bien cachée, dans un repli du film, est une invention de mise en scène. Car, à l'instant correspondant, c'est la séquence 72 du scénario, lors de la révélation onirique faite au héros de sa propre mort, le scénario précise simplement. Acatone l'écoute, atterré, blanc comme un linge. Donc il n'y a pas de larme prévue par le scénario. La larme du rêve est une invention de tournage, peut-être présente sur un état du découpage qui ne nous est pas parvenu. Oui, il existe un découpage que j'ai retrouvé dans les archives d'Henri Langlois à la Cinémathèque française, euh, au, crayon, euh, au crayon à papier avec des dessins. Euh, donc on sait que Pasolini a lui-même écrit le découpage euh, à la main. Euh, mais toutes les tout ne nous est pas parvenu toutes les séquences ne sont pas concernées euh, dans l'inconscient et l'impossible du rêve alors oui Akaton mendie son salut une petite place au soleil c'est à dire au paradis épisode du Fossoyeur séquence 72 mais jamais dans la réalité seulement dans son rêve Akaton ne va pas au paradis des catholiques le paradis c'est ici ou nulle part. Maintenant, je me sens bien. Mort. Mort, sto bene. Non pas demain, non pas après ma mort. Et si Akaton est un personnage d'outre-tombe, un fantôme, un non mort, comme le Nosferatu de Murnau, alors c'est depuis le début. Et le critique français Jean Collet peut écrire, très inspiré, à la sortie du film, dans les cahiers du cinéma de juin 1962, je cite, Acatone était dans la mort bien avant cette mort. Il avait marché trop longtemps, exploré des territoires d'où l'on ne revient pas. Conclusion, Acatone ne mendie pas son rachat catholique. Il n'est pas un frère mendiant. L'analyse de la petite larme d'Acatone, que je viens de résumer très rapidement, a été publiée en français dans mon ouvrage de 1995, Pasolini, portrait du poète en cinéaste. Dans un très bel essai écrit à quatre mains avec René Scherrer en 2006, Giorgio Passerone, élève et traducteur de, de, de Gilles Deleuze, aujourd'hui également ami et acteur de Jean-Marie Straube, qui lui fait lire des vers du paradis de Dante dans un de ses films, exégète de Dante subtil et inspiré, est revenu sur mes propositions et les conteste amicalement et systématiquement. Pour moi, suivant en cela le commentaire de Pasolini, l'alarme. Coulant sur le visage d'Acaton pendant un rêve, impliquait que l'idée du rachat, du purgatoire, c'est-à-dire du troisième terme entre salut et damnation, apparemment absente du film puisque aucune larme n'apparaît à la fin du film, là où on l'attendait, en vertu du classique repentir catholique du dernier instant, est donc bien présente malgré tout. Pasolini commande cette séquence dans le texte intitulé Sens du personnage, le Paradis d'Acaton que j'ai déjà cité en évoquant la naïveté de la conception religieuse de son personnage. Euh, je cite son natavique catholicisme superstitieux de païen, son pâle et confus acte de rédemption. Pâle et confus acte de rédemption, c'est une définition très forte de, de, de ce film. Euh, il parle aussi d'un autre personnage, de Stella, comme une pâle étoile. Et j'ajoutais dans mon analyse de 1995 que Pasolini fait plusieurs fois référence dans ses textes à l'aventure d'un autre personnage appelé Montefeltro Guido, Guido di Montefeltro raconté dans le premier livre de la Divine Comédie, Enfer, livre 17, vers 19 23. Et Guido da Montefeltro est le père de Bonconte da Montefeltro qui produit la petite larme qui est ce, ce personnage de fiction, finalement, qui produit la petite larme dans le second livre de Dante, Purgatoire, deuxième livre, vers 103-108, cité au début du film de Pasolini, Acatone. Je prétends que Pasolini présente un Acatone dogmatique dans son rêve naïf et s'en détache lui-même en tant qu'auteur en lui refusant la larme rédemptrice attendue au final qui aurait assuré une fin à la fois classique et en quelque sorte heureuse, une happy end d'un point de vue catholique. Pour moi, en cela, Pasolini est proche des procédures du diable logicien, d'un personnage inventé par Dante qui s'appelle le diable logicien, qui envoie Guido da Montefeltro en enfer. Je cite euh, l'enfer, parce que la contradiction ne le permet pas. Per la, con per la contradiction che non consente. Parce que la contradiction ne le permet pas. Ce qui veut dire qu'on ne peut à la fois péché, faire un péché, et acheter sa repentance par ce péché. C'est ce qu'explique le diable logicien, c'est-à-dire rationnel en quelque sorte, aux pécheurs qui se croyaient absous par le pape à qui il avait conseillé de trahir sa parole. Autrement dit, en résumé, il faut pleurer véritablement et non pas acheter sa larme, acheter sa repentance giorgio passerone, c'est un peu compliqué, mais je vous ai résumé euh, cette, euh, cette double référence à dante. larme dans euh, le purgatoire et le diable logicien dans l'enfer. pour moi, la, la, la repentance, enfin, l'alarme, la c'est à le personnage d'acatone, et le diable logicien, c'est pasolini. giorgio passerone me reproche, avec raison, il a raison, d'opposer un Pasolini antidogmatique à, à un Dante qui se retrouverait ainsi de fait du côté du dogme théologal ce qui serait abusif pour Dante, du moins dans la lecture de Giorgio qui a raison. En conclusion de pages très denses et très belles que je ne peux résumer entièrement, il écrit je cite, le montrage non pas montage mais montrage c'est-à-dire montrer quelque chose le montrage fabulé fait éprouver au spectateur, la contagion petite larme d'un mourir vital, celui de tous les Suds exclus de notre présent. C'est très compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui signifie en résumé que, en dépit des assertions objectives offertes par l'analyse du film, il convient d'affirmer, par une hyperbole très raisonnable, que le sens, pour ainsi dire, musical de la Divine Comédie, ne permet de reconnaître ni l'absence de la petite larme à la fin d'Acatone. Pourquoi Parce que le film lui-même, devrait-on dire, pleure. Donc même si on ne voit pas le, la larme, le film lui-même fait l'effet de la larme, le film pleure, ni sa présence dans le rêve d'Acatone, qui ferait du personnage un homme religieux au sens dogmatique du terme. Alors là, il faudrait l'expliquer sans doute dans l'analyse de Giorgio Passerone, au sens où Hackathon, au-delà de son aventure narrative, reste un personnage anormal, un homme du peuple, à la fois ce que Giorgio Passerone appelle un Sud exclu et un mourir vital en lui-même. Je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec cette façon de considérer les choses. Et je crois même ne pas avoir dit exactement le contraire dans mon essai de 1995 qu'a magnifique, magnifiquement discuté Giorgio. Si je prends maintenant en compte son habile contre-pied politique et théorique, je dois donc ajouter, dans mon analyse du film, que l'on voit et que l'on ne voit pas dans Acatone un homme qui pleure à la fin, que l'on voit et que l'on ne voit pas une larme de repentance religieuse dogmatique. Dans son rêve. Tout cela, bien entendu, concerne Akaton, mais se révèle aussi essentiel à la compréhension de la petite larme dans le cinéma de Pasolini, qui, ce serait l'objet d'une toute autre conférence, ne se limite pas au premier film. J'ai ai étudié ailleurs la larme qui apparaît très, très, très discrète du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. Akaton devient alors mendiant et chiffonnier de la vie même. <coughs> Walter Benjamin a su lire chez Baudelaire la relation du chiffonnier à la ville et à l'ivresse dans le poème le vin des chiffonniers dans les fleurs du mal baudelaire fait du vin fils sacré du soleil la délivrance terrestre parallèle au cadeau divin du sommeil qui rassure l'ivresse métamorphose les destinées médiocres des minuscules ramasseurs de déchets en glorieuses épopées pasolini fait de la pâle destinée d'acaton une tragédie Antique. Lorsque Pasolini est amené lui-même à traduire Baudelaire, peu de temps après la réalisation d'Akaton, à l'occasion d'un scénario qu'il ne réalisera jamais et que j'ai traduit en français, Le Voyage à Citer, il viaggio a Citerra, c'est une partie du poème homonyme des Fleurs du Mal qu'il choisit. Homonyme, c'est-à-dire dans Les Fleurs du Mal, le poème qui s'appelle Le Voyage à Citer. Et notamment ces derniers vers, proches, très proches, du sentiment acatonien. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Quant à la stupéfiante allégorie du pendu, je cite le poème de Baudelaire, Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image, elle est reprise en... Con... Mon image était pendue, une image était pendue. Elle est reprise en conclusion du scénario secret de 1962, le scénario de Pasolini qui s'appelle Viaggio a Citera. Le professeur homosexuel de ce scénario, du voyage à Citer Pasolinien, se pend, habillé en femme, dans son appartement citadin bourgeois. Elle fait écho, cette mort, aux quatre morts christiques conclusives des quatre premiers films réalisés par Pasolini et renvoie encore plus explicitement au pendu qui parle, hein, donc un mort qui parle, du prologue de la pièce de théâtre Orgie, Orgia, que Pasolini a commencé à écrire cinq ans après Catone et qu'il a lui-même mis en scène à Turin fin 1968. Cette image violente, proche des frères humains qui, après nous, vivaient, un très célèbre vers de François Villon, l'autre poète français que Pasolini adorait, Baudelaire et Villon sont les références très importantes pour Pasolini. Donne sa forme énonciative au nouveau théâtre pasolinien, théâtre de fantômes et de morts qui parlent. Baudelaire n'est donc pas très éloigné d'Acatone, mais l'ivresse du chiffonnier n'est pas absente non plus de sa tragédie. L'ivresse apparaît fort liée à la croyance dans le récit lors d'une étrange et magnifique séquence de barres que vous allez voir tout à l'heure. Séquence 10 qui voit Acatone se saouler avec les Napolitains. La subtilité narrative finale, non prévue dans le scénario de cet épisode est rarement décrite, rarement comprise. L'ivresse d'Acaton est une ruse qui lui réussit fort bien, consistant à donner au féroce Napolitain la preuve de sa bonne foi. Il pourrait le tuer s'il se confirmait qu'il avait volé la femme de leur ami Proxénète en dénonçant lâchement celui-ci à la police. S'il ne change pas de version une fois que nous l'aurons saoulé, c'est qu'il dit la vérité. Voilà ce que dans le film expriment les regards entendus des proxénètes qui eux ont gardé leur présence d'esprit et ne semblent pas du tout ivres, contrairement à ce que prévoyait le scénario. Mais qu'en est-il exactement Comme de l'attitude d'Ugolino dans la Divine Comédie, commentée par Borges, nous ne saurons rien de cette façon de façon sûre. Notre savoir sur l'histoire et son crime oscillera définitivement. Dans l'épisode de Dante, commenté, tel que commenté par Borges, Hugolin a-t-il ou n'a-t-il pas mangé ses propres enfants pour survivre dans sa geôle, dans sa prison Acatone croit-il à ses mensonges Est-il vraiment ivre avant que les Napolitains ne le soient Joue-t-il l'homme ivre ou l'est-il vraiment Le scénario n'en dit rien. Le film ne tranche pas. Nous verrons les proxénètes s'en prendre à Maddalena le soir même et la passer à tabac. C'est la preuve qu'ils sont convaincus par la version sans doute mensongère d'Acatone. Mais ni le scénario ni le film ne nous révéleront jamais qui, dans l'histoire préalable au début du récit, a bien pu trahir Chicho. Rien de toute cette immense oscillation du vrai et du faux n'était prévu d'avance. Rien dans le montage, le jeu et les dialogues ne permet non plus d'en décider. Je crois que ce serait une définition de la, de la, de la fiction euh, opposée à la communication chez, chez Walter Benjamin. Oscillation. Au-delà de son réalisme, la cuite d'Acatone fascine parce qu'elle est vraie et fausse à la fois. En cela, l'ivresse rejoint, dans cet étonnant tissu narratif que constitue Acatone, le rêve et les indécisions, l'errance et les bagarres, le renoncement et la contingence des paris et des défis. Toutes ces bifurcations imprévisibles qui le démaillent et font indubitablement du mendiant ainsi entendu un chiffonnier du récit. Le réel non affirmé d'Acaton, capable de se nier lui-même, compose des chiffons de narration, des lambeaux d'histoire, autant de piècettes de vie mendiées aux passants spectateurs sur le trottoir du film. Le héros tragique de la ricotta s'appelle Chiffon, et c'est et c'est explicitement sous les glorieux oripeaux de la misère du peuple, en adaptant un autre épisode de Boccace, que Pasolini apparaît dans son autoportrait en Giotto, second narrateur interne au récit des épisodes de son film Le Decameron, prenant la relève de Ciappelletto, un premier personnage du Decameron, film de Pasolini, après sa mort ambiguë au milieu du film. Le plus illustre peintre est glorifié d'être habillé comme un chiffonnier. Il faut dire qu'il faut rappeler que Ciappelletto dans le Décameron est joué par Franco Citti, c'est-à-dire à Catone, et que pendant toute la moitié du film, il porte le récit. Puis, quand il disparaît, Pasolini lui-même le, devient le méta-narrateur, devient le narrateur et, et joue Giotto. Le chiffonnier, c'est une citation de Walter Benjamin dans Paris, capitale du XXe siècle, dans le Passagenwerk, le chiffonnier est la figure la plus provocatrice de la misère humaine. peine prolétaire en un double sens. Vêtu de vieux chiffons, il s'occupe des chiffons. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne, il compulse les archives de la débauche. Le capharnaüm des rebuts. Quant au héros du premier film de Pasolini, il récupère de la ferraille à l'épisode 67 et au début de l'épilogue traîne, comme je l'ai dit, une charrette à bras de fleurs fanées. Aussi, à Catone peut-il être retrouvé en dernière analyse, mendiant, en tant que chiffonnier de la ville de Rome, ville que le poète Pasolini. Depuis son arrivée dans ses murs dix ans avant la réalisation d'Akaton, n'avait pas cessé d'exalter baudelairiennement en en collectionnant amoureusement les rebuts les plus vils et accomplissant par ce seul geste un acte politique avec les moyens du cinéma. Merci. <laughs> Merci beaucoup, Hervé. Und ja, wir machen jetzt, wie Sie es gewohnt sind, zehn Minuten Pause, werden gleich durch einen Gong dann signalisieren, dass es weitergeht. Das heißt, Sie können gerne auch noch ins Filmcafé gehen und dort noch ein Getränk zu sich nehmen, bevor es dann an Akkatrone rangeht. Und nachher gibt es natürlich dann die übliche Diskussion. Bis gleich.